Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Surviving the Aftermath. On a des problèmes. Je viens de voir que l'eau était en négatif, que la nourriture c'est critique, que l'école est pleine, un enfant vient de naître, c'est le bazar. Et certains diraient, il y a même une comète qui arrive. Moi je vois pas, où est le problème. Je la vois pas d'ailleurs. Donc les grosses embrouilles, il n'y a plus de vêtements, il n'y a plus rien. Plus d'outils, plus de vêtements, il n'y a plus rien. C'est la misère, on a accepté trop de d'un coup en fait. Ça on peut réparer. Par contre on va se mettre en vitesse normale. On va peut-être se calmer un petit peu. Il va y avoir des trucs à réparer ici et là. C'est compliqué. Cabane est endommagée de manière... ouais c'est embêtant. Hein. Allez on répare tout. Oh, les mecs sont pas sereins, ils se mettent de l'autre côté quoi. Moi je peux comprendre. Tous les bâtiments poussent. Oh là là, au secours, j'ai plus de planches pour réparer. Ah, la fosse a été touchée. Ah, si, non, le château d'eau a été touché. On lance des réparations pour tout. Ouais, je vais plus avoir une baraque, arrêtez de tout taper là. Pas le grand champ. Récoltez maintenant. C'est la merde. Faut tout récup maintenant. Oh, c'est la merde, y'a tout qui se fait taper dessus. Au secours. Ça tape entre la vieille voiture et le reste. Mais non, mais ça tape tout ce que j'ai quoi. Faut arrêter là. Ça démolit tous mes bâtiments. J'ai plus rien, je peux plus rien réparer, c'était bien. Des flammes, des gens qui meurent, des gens qui n'ont plus de maison, au secours. Bon, cassons-nous d'ici. Non, on va aller ailleurs, on va faire autre chose. Hein. Allons voir des endroits où ça se passe bien, genre par là. Je sais pas, moi, tiens, cours tout droit là, si ça t'occupera. Quoique. Attends. Oui, je voulais t'envoyer par là. Vas-y, récupère-moi ça. Non, toi t'es récupératrice, toi non, donc toi tu fais l'explo. Ah, boucle de problème attique. T'as des trucs sur toi. Ah, je suis déjà obligé de te renvoyer, on peut pas, y a trop de danger à t'envoyer. Danger 3, si t'as pas de vie, je sais pas combien ça te met de dégâts, mais... si ça te met plus de 67, c'est cuit. Hein. Toi, frapper des gens dans la bouche tout de suite. Il ne restait que 20 points de vie, il fallait que tu ailles là, récupérer ça. Il reste 5. Allez, la colonie n'a plus rien. Il faut que tu reviennes en fait. La colonie n'a plus rien. Toi, il faut que tu ailles taper lui là dans la bouche. On va l'agresser aussi pour voir un peu. Ça l'autre il est fini tranquille tout à l'heure. Juste après. T'as combien? 50. Et toi 50. Ok, vous êtes à 50 PV tous les deux. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été oubliés? Non. Bon bah on retourne dans l'apocalypse, hein, c'est parti. Bon bah du coup avance rapide hein, pour l'apocalypse, hein, parce que bon je vois pas d'autres... Alors on va terminer un trappeur. Mettez-en deux le trappage qui se rapporte au plumage, s'il vous plaît. Ferrailleur a été détruit. Ah. Bon bah salut Ferrailleur. Vous t'aimez bien. Il va me le falloir surtout. Très vite de nouveau. Ouais, on a plus de vêtements, on a plus d'outils, on a plus rien. C'est la misère. C'est
déjà rénové pour tout le monde. Ok, d'accord. Ça l'est déjà. Ouais, bah, on va observer ça. Hein. Ok, la bouffe. Nice. Reste 89 PV. On est bien. On va faire une observation de ce truc là. Parce qu'en fait j'avais pas fait gaffe, mais c'est une vraie map monde hein. C'est, ça rigole pas. Il y a vraiment une grosse map monde. À 100 PV. Ah non, 67. 67 et j'avais dit tu te ramènes avec tes boîtes. Vous êtes fait, c'est fait. Très bien. Ok. C'est ok pour vous. Et la scierie n'est pas terminée puisque nous n'avons pas assez de métal. Et nous n'avons pas assez de bois. Pas de bois, pas de métal, pas de rien. Donnez-leur deux médicaments et qu'ils nous foutent la paix. Voilà, c'est très bien. Endommagé de manière critique. Oui, non, mais ça a été réparé tout ça. Ferrailleur détruit, les nourritures sont basses. Oui, on est en train de les recharger. 24 colons, non, pas de maison. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. On n'a pas 3 planches, on a rien. Alors, je pense qu'il y a aussi une question de travail. Voilà, c'est ça. Pour déplacer la zone, il nous faut du bois. Du bois, venez me chercher ça là. Ils vont me le rincer en deux secondes. Toi, du coup, rien à bouffer nulle part. Hein. Si, il y a encore par ici. Je t'envoie tout de suite au fond, on n'en parle plus. Allez, tu vas au fond, on n'en parle plus. Ici, pour ce qui est du nettoyage, ça bosse toujours. Ça bosse toujours. Allez-y, go, à fond, au boulot. Au boulot. Je ferais bien de rester sur la zone de ce machin-là parce que ça descend très très vite. Normalement, ça va descendre très très vite. Ouais, ils sont 125 dessus. Ils vont me défoncer ça, mais tellement vite. Je vais explorer. Voilà, jusqu'à trouver de la base. C'est parfait. Ah oui, non, mais c'est 3 crânes le truc, c'est trop dangereux. C'est mort. Pas de battre. Pas concrétisé. Ah si, sur. Ah, tu lui as rien fait. Ah, t'as juste pris une douille. Il reste un médicament, on viendra le chercher plus tard parce qu'à la colonie il n'y a plus grand chose. T'as plus de points de vie donc de toute façon à la limite je peux te dire au mieux mon gars. Les 4 derniers, c'est pris. Retour colonie, on avait dit. Ok, tout bas c'est fait. Reste toi. Toi tu récupères rien du tout, t'es pendu, l'on récup. Tu vas chercher la bagarre. Bon, pas de bagarre. Ok. Si le jeu vidéo veut pas qu'on se batte aussi.
Ah, tu nous one shot, ça c'est bien. On aime ça. Ok, c'est parfait, c'est fait. Ouais, y a plus de vêtements, y a plus rien. Elle est où la colonie? Secours, j'ai perdu ma colonie. Parfait, c'est bon, j'ai. Tailleur, on en a qu'un. À la limite, tailleur, mettez-en deux. Hein. Bossez quoi. Je te dis d'autres. On a de quoi planter du bois et on a de quoi en couper. Donc on est bien. On est bien, on sort du petit bois. Ça va venir. Pour l'instant l'école on laisse béton, il y a plus important. Il y a le ferrailleur qui est plus important. Les réserves de nourriture sont basses. Bah ouais, là, on a beaucoup de... On a pris deux vagues de colons d'un coup et j'avoue, j'ai fait n'importe quoi en les acceptant sans même me poser de questions, genre. Ok, nos problèmes, vas-y, on prend tout. Ah non, il n'y a pas nos problèmes, on prend tout. Hein. Ouais. Ok, on commence à la déplacer. Toi, il n'y a rien. On va voir ici. Ah, de la bagarre. De la bonne bagarre. Bah, je veux que tu rentres à la colonie, quoi. Combien il en reste? Un. Peut-être moyen que tu nous sortes. Ok. Alors, on est dans des zones dangereuses en fait à explorer. Là, ça commence à juste être, tu fais des allers-retours et puis t'es content. Quoi. Les embrouilles. On verra si tu peux les gérer ou pas. Pour l'instant, c'est pas la question. Ça dépose des marchandises. Toi, t'as trouvé de la bagarre. De la bagarre! Go à la bagarre! Et normalement, j'ai fait tout le monde. Très bien. Vraie phase, hein. Vraie phase de combat. À l'occasion, essayer de me réparer quand même l'école, les gars. Et puis, si tout est réparé, et la scierie, vous avez juste à la finir, donc ça c'est bien. sur 23, c'est bientôt fini. Il y a deux stacks de planches là-haut, on va déplacer ça là-dessus. Hein. Parce que béton, on est confort. Un bandit est au portail. Ouais, c'est le même. Va te balader. Ça nous intéresse pas en fait. Que l'on souffre de mutations vénères. Hein. Pas sévère, vénère, il dit. Ouais, bah de toute façon, vous faites votre boulot, vous faites ce que vous pouvez. 24 colons n'ont pas de maison, on est au courant. On est à fond dessus, hein. On sort du web, hein. on sort du web autant qu'on puisse en sortir. Tu nous as fini la pile? Non? Fini pas la pile? Ah si, ça y est. Du coup, je déplace la zone de travail avant d'aller faire autre chose. Ok. Vas-y. Fonce-moi, c'est con. Parfait. Oh, une station de recherche. Intéressant. Oui, je voulais t'envoyer là-dessus. Tu peux te déplacer dans ce sens-là. Non, j'ai 33%. Il y a 33% de risque et on peut prendre 3 fois du dommage lourd. Sauf que je sais pas à quoi ça correspond. Chaque crâne, j'ai l'impression, correspond à 20 points de vie, mais je suis pas formel. Je suis pas formel.
34 PV, il lui en reste 2. Il lui reste 2 mecs. Parfait, rentre à la colonie avec tout ce que t'as mon poulet, ça sera parfait. Donc là c'est chaud, c'est 60 PV potentiellement, avec 67% de chance de bouffer. Hein. Waouh. Tu viens d'explorer ça. On voit ce qu'il y a derrière. Cool. Ça par exemple on prend. Ça on discute pas. Ça y a pas de risque, y a pas de danger, y a rien. On prend tout. Donc toi, en termes de profil, on est à 4 de puissance, 3 en pouvoir du recyclage ancestral, quantité de résiduel. Ouais, ça cogne bien. Ça cogne bien. Ça cogne bien. Bien ou bien. Tac tac tac, toute la liste, tout le monde est fait. Tout le monde est fait. Ouais, l'état vide, ça a été géré. Les colons n'ont pas de maison. Ouais, il faut que je gère ça. En fait, le problème, c'est que je viens de prendre une masse de colons d'un coup là. J'étais pas prêt. J'étais juste pas prêt. Donc là, on va pas se mentir, faut que je me lance tout de suite sur la construction d'une maison à étage. D'une maison à étage. Et j'ai lancé les champs à fond les manettes. J'en ai pas assez à première vue. On va partir d'autres choses. J'ai mis un trappeur aussi. Dans l'histoire, j'ai mis un trappeur. Je sais pas si la zone de flotte est. Espérons que ce sera suffisant. Si, j'aimerais que ça avance vraiment. Mettez-vous genre à 3 là-dedans quoi. Colons veulent me parler. Ouais, vas-y, j'accepte tout le monde de toute façon. Je suis pas comme ça. Je les laisse essayer. Un colon est blessé. On a tout gagné, comme qui dirait l'autre. Un tas a été vidé. Alors, un tas de quoi? C'est la question. Je l'ai mis à l'autre bout du monde. Ouais, c'est ça, y a plus rien. Tout bouffé. On a tout bouffé. On va bien bouffer ça là-bas. Si on a besoin de ces baies, c'est vital. Est-ce qu'il a été fait le puits ici? Ouais, il a été fait. On consomme beaucoup trop d'eau. On a déjà un puits ici. Faut que j'étende les eaux. Parce que là, les puits sont proches déjà les uns des autres, je trouve. Ça, on a déjà qui est là. Les puits se touchent pas mal. Hein. J'en câlin par ici. Hein. Puis, je vais le mettre là-bas. Quelqu'un est mort. Super, putain. Enfin. Et on est en train de me retirer des tas de pollution ou pas? Et ce qui manque, ce sont des planches, évidemment. Mais j'ai tous les bâtiments. Donc ça devrait fonctionner. Là, si on y va à fond... Tu bosses à partir de quoi? Ah non, mais ça c'est un gibier man. Ah, ça c'est toujours pas fait. Ah, mais parce qu'on a pas de métal, au secours. Mettez-vous à deux et déplacement. Ah oui, parce que t'as été détruit. C'est chiant. C'est chiant, t'as été détruit, c'est très chiant. On n'a pas plus proche. Genre vraiment, on est obligé d'aller très très loin. Et bah, si on est obligé d'aller très très loin, bah on ira très très loin. Et voilà. Et puis c'est tout. 12 colons sont morts, raison, ils sont morts de faim. C'est parfait, c'est parfait. Pour se repérer, qu'est-ce que c'est? Calmez-vous. Ouais, allez chasser l'ours. Hein. 23 de gibier, allez, la win. Du coup, la cuisine. La cuisine. La cuisine. Du gibier. Normalement, t'as ce qu'il faut. Fais pas la meuf, hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a beaucoup de choses à gérer. On a toi. Toi t'es qui? Toi t'es qui? T'as quoi? Combat et recyclage quoi. Vas-y, on va te balader par là.
de la science. Franchement, pour les 1 qui restent, bref, tu peux venir les chercher. Voilà. Ok. Donc toi, t'as récupéré toute ta vie. Tes combats et recyclage, et tu peux quasiment partir solo. Je t'ai envoyé là. Récupérer ça, prendre le risque. Combien de danger? 33%. C'est gérable normalement. Ok. Ce groupe là se fait finir. Ah, c'est méchant un peu hein. Le jeu il est pas très gentil hein. Rush là-dessus. Récupérer ça. Can't you see I'm busy? Il va me mettre 11 mais je le finis. Non, je le finis pas. La blague. Mais non. Talking to me. Je fais plus assez de dégâts. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Faut que je le ramène. Il est cuitos le mec. T'as 100% de ta vie. GG. Il en reste 6. Et si jamais je te renvoie dedans, t'en reprendras 6 et tu auras fini le paquet. Ok. Fouh, oui, ils sont morts. C'est rigolo. Lol. Les gens meurent. En plus, pour n'importe quelle raison. Lol. C'est vraiment n'importe quoi. T'as du boulot, craque-moi. J'avais dit de refaire des champs. J'avais eu cette idée un peu originale de refaire des champs. Ouais. Hop là. Voilà. Ça prend rien d'autre que du temps normalement. Vous pouvez y aller. Par contre, si on est vraiment à zéro bouffe, faut récolter ça maintenant. Ah, bon, on récupère ce qu'il y a à récupérer. Peut-être pouvoir rentrer un truc ou deux à bouffer. La nourriture sont basses, les vêtements c'est bas, tout est critique. Un colon qui meurt de faim. Ah, ça commence à être compliqué. Hein. J'ai accepté trop de gens d'un coup, j'ai pas fait gaffe. Pandémie. Ils sont là. Alors, les premiers signes d'une pandémie sont là. Au début, ce n'est qu'une petite toux bénigne, puis la fièvre prend le relais. Les colons commencent à tomber comme des mouches et toute la colonie vit au ralenti. La suite va dépendre de votre vitesse de réaction. Plusieurs établissements médicaux et leur personnel peuvent presque venir à bout de la pandémie. Mais si vous ne faites rien, elle se répandra comme une traînée de poudre. La pandémie vient par vagues successives et affecte les colons. Les colons qui ne sont pas soignés finissent par mourir. Construisez assez de bâtiments médicaux pour traiter les infectés. Les antibiotiques accélèrent la guérison. Essayez d'en trouver sur la carte du monde. Oui, alors certes. Certes, mais je t'emmerde là. En vrai, c'est certes, mais je t'emmerde. Centre médical. Centre médical, centre médical une fois, centre médical deux fois. Centre médical juste derrière ça. Ah mais de toute façon j'ai pas de bois. La réponse est vous n'avez pas de bois monsieur. Donc bon bah les gens vont mourir encore. Qu'est-ce que je te dis de plus? C'est pas que je veux pas qu'il meure, hein, mais bon, je suis pas forcément, contre non plus, quoi. Pire, ça fait le tri entre les faibles et les forts, hein. Pas d'embrouille. Ok, un mec de niveau 10, mais qui a pas de def. Ah, on a pris 40 dégâts. Y'a plus rien, très bien. Yeah.
Je sais pas. Je sais pas, je te ramène. Dans les formations. T'as les antibios, j'aurais dû te ramener. C'est elle qui avait les antibios à bord. Qui avait les antibios avec elle. Mince. Bon bah ça va être compliqué. C'est la fin qui va les tuer. Le problème est réglé quelque part, on a envie de dire. Est-ce qu'on se ferait pas un petit mix-up maïs, puis suivi de patates hein. Parce que là, si tu plantes quoi? De la patate, d'accord. Ouais, c'est... y a quelqu'un au portail. Pas bien. Entre des outils, des vêtements, on n'a pas à faire. Hein. Y a pas. La fosse est pleine. Ah! Eh ben, nouvelle fosse, hein. Faut pouvoir ranger les cadavres. Ouais. Ah, c'est les grosses ambiances, hein. Défense en plus, ça va être un petit peu long pour lui casser les dents. Ça va encore. Et le lieu est nettoyé. Oh, y en a masse là-dedans, quoi. Je suis surpris que ça te pète à la tronche. 20 PV. Bah merci, bah c'était bien. Tu peux rentrer. tu peux rentrer. C'était super bien. Je suis très content. Ils ont 3 de def, les cons. Il est pas clair quand même. C'est un peu obscur, un peu... Il y a un paramètre du genre ça dépend de ton état de santé je pense et c'est pas précisé. 9 colons n'ont pas de maison. Comment ça se fait que des gens n'ont pas de maison avec tous les morts qu'il y a là? Foutez de moi là. Faites exprès un peu. Ah mais ça c'est le... Finissez-moi cette merde. Ah ouais mais on n'a pas de tôle. Ah, c'est une catastrophe. L'absence de tôle. Épuisé de filon là. 10 sur 68. On n'a jamais de tôle, pourquoi? Pourquoi on récupère jamais rien? Parce qu'on n'a plus d'outils, on n'a plus rien là. Hein. Ouais, vas-y, ramenez-vous là. on a des cadavres à remplir, allons-y. Et la pandémie, c'est incessamment soutenu en plus. Alors au clou, hein. Vous êtes déjà prêts là? C'est quoi l'histoire?
Ah non, mais j'ai un petit nouveau. D'accord. Petite nouvelle, Lina. Elle est nulle en tout. T'es nulle en tout, tu fais pitié à voir, au secours. T'es nulle. Casse-toi, va par là. Je fais honte à tout le monde. C'est quoi, je devrais t'envoyer sur des actions suicides. Ah oui, mais je risquerais de perdre ton matos. On va t'envoyer tout de suite sur des actions suicides. Un peu plus tard, peut-être. Marchand ambulant au portail. Oh, je peux rien négocier. Hein. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. J'ai plus rien. Deux constructions terminées, c'est bien ça. Non, peut-être. C'est peut-être pas mal potentiellement. Qui sait. Je sais pas c'est quoi les deux constructions qui ont été terminées, ceci dit. Là, ils trappent vraiment dans le coin où ils sont mis, quoi. Là, ils trappent pas grand chose parce qu'ils sont juste à côté du village. Du coup, ils trappent pas grand chose. Hein. Ah, ouais, mais attends, j'ai une statue de mort là. Je pourrais la recycler aussi. Ou pas. Et ignorer tout ça. Bon, on en est où là? C'est fini la pile de bois? Nice, parfait. On déplace, zone suivante. Ils finissent les trucs à une vitesse du coup. C'est démentiel. Ah, c'est parti. On va dégraisser la populace. Et d'ailleurs, ça a été recyclé ici, les toxiques, les machins. Ah ouais, c'est en cours, hein, c'est en cours. 42 sur beaucoup. Le truc, c'est qu'on sait pas en quoi on le transforme. Hein. C'est pas, c'est vraiment que de la perte, quoi. Oh. Les petits gars sur la map monde. Ouais, moi j'ai envie de te suicider contre un type là. Y avait pas un mec dangereux là-haut là ? Voilà, c'est ça. Viens voir ce mec-là. Regarde. Oh, elle a tous les défauts du monde. Qualité. Aucune. Ensuite, toi. Finis-moi ce groupe-là. Ah bien. Ouh. Oh, le petit crochet lancé dans la tempe, c'était propre. Hein. Franchement, rien à dire. 20 composants. Putain, on fait des composants, d'accord. Ouais, vas-y, tape là-dedans. Ton job, vieux. T'avances case par case. Ça c'est tellement chiant. Ah oui, potentiellement trop de dégâts. Ok, très bien. Toi tu rentres direct du coup. Ah oui, tu peux pas. J'ai un événement qui s'est bien passé, hein. Ça rigole plus. Et il reste 42 de chance là-dedans. Ok. Toi t'es mort, t'es à moitié mort, t'es à moitié crevé. Tu courras à travers le monde plus tard quand tu seras grand. Bon allez. Alors cette pandémie, comment qu'elle se passe? Ah mais on consomme trop d'eau. Mais il y a vraiment trop de gens en fait dans cette ville. On a accepté trop de gens trop vite. Les colons sont malades, demande d'un colon. Occasion de chasse, 27 gibiers, bah c'est très bien. On se cuisine du gibier, hein, madame. Oui, on se cuisine du bon gibier. Faut manger, hein. Pas trop quand même, mais faut manger. Voilà, finissez la fosse là. Voilà. Finissez la fosse, quoi. C'est travaillé. Il y en a qui dort là, tranquille. Ils sont tous bouffés par les radiations, c'est top.
sur 12, il y a déjà plus rien. Il est où là? C'est quoi là? C'est une type de travail à vous là? Bon, je sais que vous bouffez le bois. Ça, c'est juste bouffer le bois en fait. Vous le ramenez pas en fait, il le mange direct. Pas le temps. 107 de déchets nucléaires, attends, paye ta flaque. Ta flaque de merde. Les colons sont malades, sont morts en raison d'infection. C'est sport hein. C'est quoi ça? C'est les plastiques. Les plastiques on s'en sort pas. Ça sert que pour les constructions, la production de certains objets. Ouais bah ouais, bien sûr. Dis-moi lesquels hein. Intéressant. Dis-moi lesquels, gros, ça m'intéresse parce que le plastique, j'en ai des tonnes, c'est eux qui remplissent mon stockage. Aujourd'hui, ils ne servent à rien. Il y a un rassemblement de colons, hein. Est-ce que c'est vraiment important? Je vais faire semblant de m'y intéresser. Ah, fête à la viande! Allez! Eh, on crève! Mais on crève heureux! Allez vous faire foutre. Allez. Par contre, là on produit, hein. C'est la session de la production. Y a pas d'embrouille. Finissez-moi ça, dépêchez-vous. Si on avait un qui voulait bien se bouger le boule là pour me ramasser ça là. 12 colons sans maison, on commence à être pas mal hein. On va finir par revenir à un niveau stable et agréable de vie. Hein. Alors ouais, si de préférence ça pouvait être des mecs sans outils qui meurent, ça serait bien. Parce que visiblement ça a l'air d'être le gros fun d'enterrer les gens avec leurs pioches. Si les mecs sont pris pour des nains. Ah c'est des jeux de nains. C'est fini ça. Allez déplace-moi ça. Fini. J'avais vu du web. Bon ça c'est du béton. On va essayer ici. J'ai l'impression qu'ils y vont tout seuls si je donne pas de zone de travail en fait. Nous verrons bien. Ah bah dès que t'as l'occas tu m'en mets deux même. Hein. Voilà. Bon, la bouffe on a toujours besoin. 9 colons sont malades, oui à ce qu'il paraît. Après je sais pas, est-ce que c'est vraiment important? Mouillez-vous le cul parce que par contre je vais être obligé de refaire. Ah, faut que je fasse des fosses encore et encore. Oh là là. Oh là là. Faut faire comme fausse hein. Super. Ah, tu vas être frité tout ça. Mais... je t'annonce hein. Ouais. Je sais pas où on descend par là par exemple. Exactement. Je vois pas taille ici quand même. Ok. Tac, 39 planches d'un coup. Ça, ça fait plaisir. Ouais bah super, ça c'est gratos. On récupère ça tellement pas vite. Ouais encore là, dans deux tours normalement elle a fini. Je veux que tu finisses de le tabasser. Ok. On part sur un double direct hein. C'est top. Des fringues, ça peut être pas mal, c'est vrai que c'est la dèche. C'est vrai que c'est la dèche chez nous. Il y a des petits éléments de jeu qui mériteraient d'être redéveloppés. Hein. Genre par exemple le fait de pouvoir se déplacer en véhicule ou tout simplement le fait de pouvoir armer ses gars. On construit pas de réel mur autour de la cité, c'est un faux portail qu'on construit en fait. Surtout le problème c'est que dans ce jeu là le portail c'est presque une illusion quoi. C'est super, vous embuillez 3 bagnoles sur 10 mètres, bah je vais faire le tour. Puis je vais vous attaquer, qu'est-ce que je m'en fous. C'est... non, on s'en fout. Y'a rien en fait. Y'a juste rien en défense. Doc. Allez, vends-nous du rêve. Ah ouais, fallait que ça te pète à la gueule. C'était un peu obligé. Mais bon, c'est fait pour moi. Il reste quoi? 7 boîtes de conserve. Super.
compris. Hein. Voilà. C'est top. Alors, il y a une chose aussi peut-être pour laquelle on peut-être va pouvoir arrêter de s'embêter un jour à un moment donné, c'est savoir ce qu'on en est en recherche. Ouais, il en faut encore. 15 transporteurs de libre, un marchand ambulant, oui, qu'est-ce que tu veux, 3 pièces détachées, 30 becs contre 21 débris. Je sais pas, il semblerait que j'ai toujours beaucoup de débris. Mais je sais pas où je les ai en fait, mes débris. Parce que j'ai l'impression que les mecs qui font de la tôle en fait n'avancent juste pas, donc ouais, va pour ça. Va pour ça. Admettons. Ouais, t'as vidé, machin, lol. Super. Voilà. De nouveaux bisons. Go. Je vais quand même le cadrer un peu mieux. Tac. Oui, les mecs sont malades, à ce qui paraît. Il y a des mecs qui ont pas de maison, quoi. La blague. Vous venez là, vous avez pas de maison? C'est quoi ces conneries? Vraiment? C'est l'irrespect. Oh bah vas-y, libère. Libérez des places ici, c'est pas... Pas le summum de l'urgence non plus. Là pareil, on peut libérer une place. Hein. Faut toujours qu'on ait un forestier quand même. Par contre, si on pouvait essayer de bouffer ici, ce serait quand même pas mal. Oh la bonne crevasse de ces morts là. Encore des gens là. Ah, ils ramènent de la bouffe et des outils. Accepté. C'est ce que l'on dehors. C'est un scandale. Les gens vont hurler au scandale à un moment donné. Dire bon, il va falloir peut-être arrêter de se foutre de notre tête. Ah, et bien sûr, ils ont le sens de la priorité, donc ils ont. Voilà, ils ont alimenté ça d'abord. Ça, c'est bon. Moi, j'ai envie de dire annule la construction de ce truc, comme ça vous allez peut-être pouvoir finir cette maison-là. Une idée saugrenue, hein. Je l'avoue. 19 sur 20. Ah, il nous manque une placasse de tolas. On est bon. Ensuite, tu as 60 PV, 33% de chance de te prendre quoi, 20. Ouais, enfin, j'aurais dû laisser ça à d'autres. Au moins c'est fait, c'est pris. Il y a du bois là-bas à aller récupérer, ce serait bien que tu le prennes avant de revenir. Ok. Ah, c'est la grande vague des gens qui rentrent. Hein. T'es un récupérateur normal, mais t'es avant tout un scientifique. Est-ce que dans, scientifiquement parlant, c'est dangereux là-bas? Ouais, un petit peu. Bon, on peut se faire... ouais. On peut se faire une petite tournée des composants, je m'en fous. En fait, vraiment. C'est quoi ces trucs-là? C'est une boîte de divertissement. Sélection de produits de divertissement venus de l'ancien monde. Nécessaire dans tous les bâtiments de divertissement. Elle se trouve que sur la carte du monde. Bah super, mais on s'en fout un peu. On se divertit pas, nous. Nous, quand on a envie de se divertir, une petite grippe espagnole et on est bien. On est bien. On est détendu tout de suite, quoi. On est calme. Calme, je te dis. On est serein, quoi. Ah oui, il a suicidé. Allez, on t'a abusé. Oh, elle le frappe. Elle le frappe. Ou il le frappe, enfin je sais pas qui c'est ça, mais Lina ça me paraît être féminin. Mais frappe! Bon. On s'en fout, c'est génial. Ouais, retour QJ, c'est à peu près tout droit. Hein. Ouais, c'est à peu près tout droit. C'est à peu près comme ça. Voilà. Y en a un que j'ai pas déplacé, ouais, y'en a plus d'un même. Ça vaut le coup que tu t'embrouilles là-dedans. Non, tellement pas mec, ça vaut tellement pas le coup que tu t'embrouilles là-dedans là. Quoi? Allô? Petit bonhomme? Ok, il a capté l'ordre. Mais il y va pas. Pourquoi? Ok, j'ai cassé le dessus. J'ai cassé le jeu, super. Super, j'ai cassé le jeu. J'ai cliqué à un endroit, j'aurais pas dû, j'ai cassé le jeu.
très bien. Ah, vous allez peut-être nous la faire cette baraque. Et moi je propose que vous fassiez cette baraque. Franchement, je suis un thug. Mais quand même pas. Ah, j'ai tout rasé. Je déplace la zone de travail là par exemple. Hop là, tiens, arrache-moi tout ça là. Ça sert à rien le bois de toute façon. C'est de la merde. Vire-moi tout ça. Vire-moi tout ça. Et le problème c'est qu'on voit pas les sous-ressources. Moi j'aimerais bien voir ici le nombre de troncs que j'ai en réserve ou ce genre de choses. Parce que là on me dit ok vas-y tu démis du bois, super youpi. Wow. Voilà, j'ai que deux pauvres troncs, donc il faut deux bûcherons. Allez c'est parti. En descendant la rivière. Ah bah c'est parti. La fosse est pleine. Ah, construction de la fosse suivante. Fosse suivante. Fosse suivante, c'est où la fosse? J'ai perdu ma fosse. Elle est où ma fosse? Où c'est qu'on enterre les gens? Tant que machin. Pas l'air d'être dans les habitations la fosse, hein. Pourtant, quelle demeure j'ai envie de te dire. Hein. Fosse, voilà. Voilà, parce que c'est faussement intéressant. LOL! Ce que vous me racontez. Ouais, mettons les fosses face-face, hein, ça me paraît bien. Ouh, t'as plus besoin d'être là, gros, hein. Tu peux te tirer de là. Hein. Tu peux de là. Des grosses mutations, des machins, maison à deux étages terminée, parfait! Ah bah parfait, ça commence à ressembler à quelque chose cette colonie de mort. Pareil, là on recycle, on sait pas ce qu'on récupère quand on recycle, mais il va falloir, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, recycler, donc refoutre des gens dehors. 9 colons n'ont pas de maison, bah c'est pas grave, démontez-moi ça. Et on part sur une maison à deux étages, donc pour 6 personnes. Il va falloir encore abattre des baraques. Hein. La dernière d'ailleurs, hein, je crois. Il va falloir la tomber. Bon courage parce que voilà, faut 20 métal et vous les aurez jamais. On survint. Ça rentre. Le bois non plus, vous l'avez pas d'ailleurs. Vous avez rien. Bah bon courage. Hein. Après, je pourrais me lancer sur des trucs moins chers hein, à fabriquer. J'ai tout cassé. Hein. Ok, je peux jouer personne parce que j'ai tout cassé. Alors, on va tenter une sauvegarde de partie. Alors, super sauvegarde de 1, bien sûr. Bah, de toute façon. Ah, j'ai tout cassé. Moi, je vous dis à la prochaine. L'épisode est largement assez long. Ah, des bisous, Technofunk, sur comme d'habitude gaming pour Aftermath. Non, Aftermath. Surviving the Aftermath.